suis le pasteur de l'église, je ne savais pas. S'il y avait tant de monde qui ne sont pas baptisés. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Êtes-vous prêt? Donc, je vais vous enseigner sur le baptême. Dimanche, Dieu voulant, il faut venir de très tôt. On va vous enseigner sur le baptême. C'est très important. Si tu connaissais les dons de Dieu, la vie éternelle, c'est tout ce dont nous avons besoin. L'argent, le plaisir, un beau garçon, une belle femme, le plaisir sexuel déréglé, débridé, ces choses ne peuvent nous donner la vie éternelle. Il faut prendre une décision éclairée. Il faut prendre une décision définitive pour Dieu de mettre l'ordre dans votre vie et dire, moi, je ne vais pas m'appeler encore comme des croyants seulement, mais je vais être considéré comme des frères et des sœurs. Donc, donnez votre nom à Jacques-Cascal, s'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît, avant de partir, vous pouvez partir. Avant d'aller à la maison, donnez votre nom. Ça pourra être un enseignement aussi. Amen. Le verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu, et que c'est lui qui te dit, donne-moi. Est-ce que c'est lui qui te dit, donne-moi. Si tu connaissais, c'est lui. Malheureusement, plusieurs ne reconnaissent pas Jésus. Plusieurs politiciens, plusieurs riches. Amen. Ils minimisent le nom de Jésus. Eh bien, je dis encore ce matin, si tu connaissais les dons de Dieu, amen, tu vas rester à l'église pour l'adorer. Amen. En refusant tout temps, et je vais m'excuser le langage, toutes les malpropriétés que le monde veut nous offrir. Amen. Rien. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire. Amen. À venir. Je ne me bagaille. Vous connaissez Sekai, écrit Sekai. Vous connaissez ça? Même si on sait qu'il y en a un relais. Sekai. On sait qu'il y en a un relais. Sekai. Ou à enterrer un nom, c'est qu'il y en a un homme, enterrer un nom, c'est qu'il y en a un bois. C'est mourir pour pas mourir même. La vie éternelle, l'importance de la vie éternelle. Que nous ayons toute la richesse de ce monde. Que nous ayons tout le pouvoir de ce monde. Un jour, nous mourrons. Nous devons développer une relation avec Dieu. Dans notre travail, dans notre milieu, à l'école. Vous, il faut développer une communion avec Dieu. Et le temps presse. Yeah. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Peut-être, vous dites, j'aurai le temps ne nous appartient pas. Yeah. Personne n'a pas le temps. Il y a des gens qui te disent, j'ai le temps, et puis là, ils font check-up, et puis ça, on découvre, ils ont découvert que ça. Mais que ça va là, maintenant, parce que j'ai son check-up. Tout a été bien. Et puis, le check-up a déclaré ou révélé cancer. J'ai prié pour un jeune homme avant hier. Donc j'ai dit, toi tu es intelligent. J'ai prié pour lui à l'hôpital. Il a dit, il était bien, il marchait, il travaillait. Et puis il rentre à l'hôpital Sacré-Cœur. Et puis on a découvert, c'est quoi même? On t'y met un cancer du pancréas. On lui a donné 6 mois. Il a dit, pasteur, je n'étais pas chrétien. Bon, finalement, je sais que je vais mourir. Priez pour moi, je vais mourir comme chrétien. J'ai dit, non, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Et tu diras, le sang de l'Éternel, et j'ai prié pour lui. Lui, il fait accepter cette demande. Moi, je refuse cette demande. On lui a donné 6 mois pour mourir. On a vu des miracles ici, les gens. Amen. Mais l'église n'est pas prête pour qu'une église puisse faire des miracles. Cette église doit avoir une relation directe avec Dieu. Amen. Esaïe 61 encore. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen, amen. Et le Seigneur mal. Amen. Donc nous avons besoin d'une onction. Nous avons besoin d'une onction. Regardez, dis-toi, toi, dis-moi pourquoi toi, tu as besoin. Nous ne plus voir dire tout, ou même pour voir dire, ou toi aussi. Dis-moi pourquoi toi, tu as besoin de l'onction, et toi, dis-toi aussi.
personnes qui n'ont jamais entendu parler d'onction. L'onction ne donne pas pour donner. L'onction ne donne pas pour faire un état de connaissance. Pour dire c'est moi. Non. C'est pour faire le travail du Seigneur. Nous avons besoin de cette onction. Si l'Église cherchait cette onction longtemps, il y a des jeunes qui sont tombés dans la drogue, auraient été délivrés longtemps. Mais nous aurions été là à critiquer une autre. Parlez moins mal. Il y a même qui dans l'église là en bas et puis la voix est tête. Si tu connaissais le don de Dieu, comment chaque monde passe la vie qui va connaître le don de Dieu. Radio Vérité Évangélique de Montréal, c'est le don de Dieu. Radio Vision Céleste, c'est le don de Dieu. Radio Lumière, c'est le don de Dieu. On doit jeune monde à prier pour vous. Gardez dans Esaïe 50, verset 5, 4 à 5, ou avant, ou avant. Si ma bisème, ou excusez. Mais allons-nous dans Esaïe 50, verset 4 à 5. Seigneur l'Éternel m'a donné. Le Seigneur l'Éternel m'a donné. Une langue exercée. Une langue exercée. Que je sache soutenir. Pour que je sache soutenir. Par la parole. Par la parole. Et ne pas avec moi. Par la parole. Combien de gens qui peuvent écrire des minuits déjà? Pas vraiment. Pas de gens qui peuvent écrire des minuits déjà? Nous avons écrit des minuits déjà. Comment nous trouvons ça? Nous connaissons ça, table dit pas bon. Mais à minuit, nous avons déjà que diable. Et pas joué, non? Et des fois, l'aime dans le studio, je me sens plein de là, oui. Je me sens gros. Et des fois, je me lève, je marche, je parle, je prie. Et puis moi, je change. Et puis je vais passer dans toute carrière, dans toute chambre. Côté de diable caché. Regarde, il y a quelqu'un. Il travaille les soirs parce qu'il perd. Ça fait me décider, ça fait troisième, quatrième. Priez pour moi, parce que ça va, puis le travail. C'est gros travail, oui. Mais les ténèbres, ben, moi, on. Pour me soutenir par la parole. À la parole. En aller. Celui qui est abattu. Celui qui est abattu. T'as battu. Il éveille. Il éveille. Chaque matin. Chaque matin. Il éveille. Il éveille. Mon oreille. Mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Écoutez, parce que pour enseigner, il faut que vous ayez des bagages. Amen. Pour enseigner, il faut passer par l'école des maîtres. Donc, nous qui sommes des croyants, nous devons écouter Dieu. Amen. Parfois, Dieu nous parle, mais nous ne l'écoutons pas. Et Seigneur, oh Seigneur, tu vois, je suis malade, mes enfants, Seigneur. Attends, je vais vous donner la solution. Mais non, Seigneur, je ne peux pas, même. Seigneur, même, pas grâce, pas tant comme même. Mais je vous parle, je vais vous donner la solution. Non, l'eau est ta mère, Seigneur, papa, papa. Mais mon Dieu. J'ai un projet que j'ai formé pour vous. Alléluia. Projet de paix et non projet de malheur. Vous voyez pour qui ça nous fait dépression? Parce que vous ne connaissez pas la Bible. Amen. Quand vous connaissez la Bible, vous utilisez des paroles, des versets pour bader Dieu. Ma grande pour vous, moi chaque fois je vais faire et puis je lis la parole une fois. Et vous, je vais faire et je vais commencer à prêcher. Et vous, on commence à prêcher. Je me sens que je vais arriver là. Je me sens que je vais arriver toute chaise. Je me sens fort. Parce que de vous prendre la parole puissante de mon Dieu là. Amen. Faut qu'attendez. Ça, son verset pour souligner. Il dit si tu connaissais le don de Dieu. Et puis, il dit mon verset 14 là, oui. Et puis, moi, mais là, Jésus, côté chrétien, verset 13 là, ne va pas trop rester longtemps dans le verset 10. Comme je l'ai dit, ça devrait être une conférence, oui. C'est vrai. Verset 13 à 14, Jésus répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Quiconque boit cette eau aura encore soif. Vous voulez faire sexe, hein? Vous êtes jeune, hein? Maintenant, quand vous donnez un enfant, deux enfants, trois enfants, ça, tu vas avoir soif encore. Hein? Tu es très jeune, très élégant. Hein? Comment le président, comment le bazar? Il dit en créole, une expression créole, président papa,
Ou pas prendre président comment? Ou pas cousin? Malheur après, oui. Debout un petit filin, car là, où est-ce que tu as un petit côté de Gualé. Debout un petit carré d'avant, il va marcher avant. Ou que machine va pas, il dit non. Petit garçon, il va aller. Dans nos monde qui dit bravo, mais tout le monde dit bravo. Parfois, même si c'est le vote la sortie, hein, sortir chercher au Yoni. Tu as encore soif. Tu as encore soif. Tu as encore soif. Vous livrez de la fornication. Tu as encore soif. Vous livrez de la vitesse. Tu as encore soif. D'avoir des belles autres. Tu as encore soif. Le pouvoir. Tu as encore soif. Des amis. Tu as encore soif. Des blondes. Des chums. Blondes chums. C'est seulement ça. Changez de vitesse. Va même être avec nous. Vous ne voulez pas rester avec. Vous aurez encore soif. Prenez votre temps. Prenez votre temps. De l'importance de la vie éternelle. Je voudrais que vous répétiez avec moi. L'importance de la vie éternelle. Tu as encore soif. Tu as encore soif. Donc, verset 14, on a vu. Mais, c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai. N'aura jamais soif. Qui a calé cette eau? Qui dit ça? Jésus. C'est cet esprit. Dans le dernier jour, dans le jour de la fête là, dans le jour certain, de la va continuer. Je suis étonnant de vous s'écrire. Si quelqu'un a soif, viens. Et tu auras. En plus, nous ne pas soif avec Saint-Esprit. Je soif connaissance, je soif parler, je soif faire discussion. Hein, des hommes sabbatiques, ça pentecôtiste, je campe sous puissance, ça baptise, je campe sous français. Yo. Tu as encore soif. Amen. Mais c'est lui qui boit cette eau. Que je lui donne cette eau que mon chéra, oui. Frère Junior, il faut choisir amen avec le Seigneur. Tu ne peux pas choisir pour toi-même parce que la femme est belle, parce que l'homme est beau. Ou prendre primat dans la vie. Il faut choisir. Mais même moi, on a dit Seigneur, coupe tout ça, mais je dis ça. Par qui tu me choisis, c'est coupe tout ça. Parfois, même pas comme ça. Il faut garçon, il faut famille de l'argent, pas connaître qui reste aussi. Soit fille amen. Chef et fille à partir sous des ailes, oui, men. Et puis même on grandit, il va gratuit, non, men. Soit ouais, assez ça, oui, men. Tu as encore soif. Mais l'eau que je donne, l'eau ça a jailli jusqu'à dans l'éternité. Tout ce que la société peut nous offrir. Vanité, tout est vanité. Matin, je me sens content. Amen. Je me suis béni ce matin. Amen. L'important de la vie éternelle. Quelqu'un, Marie a quitté, il a pleuré. Hein, a crié pour garçon. Regardez-vous, non. Regardez-vous. Là, il est fait aller. Oh, t'as joué, lui. Quand là, il est au connaît. Ah, regardez. Où on est mal, j'ai une femme qui va arrêter comme ça, comme nous disons qu'on va arrêter comme ça. Amen. On va faire expérience déjà. Amen. Tu auras encore soif. Tu auras encore soif, j'ai dit. Tu auras encore soif. Amen. Fais conteneur, tu auras encore soif. Acheter car on a dit, tu as encore soif. Acheter car aux États-Unis, tu as encore soif. C'est l'argent, la banque, tu auras encore soif. C'est seulement Jésus. Je vais te trois points, me toucher trois points, ça va dire. Loa, tu as encore soif. Maintenant, c'est l'alliance. Il faut éviter de faire l'alliance à Satan. Allons-nous dans 1 Samuel. N'ayez pas peur. Je ne vais pas trop développer là. Là, d'ailleurs, c'est, je l'ai entendu hier soir. Je n'ai pas encore travaillé là-dessus. Mais c'est tellement bon. L'alliance. Amen. Donc, il faut être intelligent.
Surtout, 1 Samuel, chapitre 1. Aïe, 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 bon, on va côté, on ne là encore. Même pour mettre, oui. Pour mettre. On va parler en pile. Amen, amen, amen. Dans 1 Samuel, chapitre 11. Amen, amen. Ça nous dit alléluia. Alléluia. Dans 1 Samuel, chapitre 11. Verset 1b. Nous jouons côté du traité d'alliance avec moi. Avec nous. Ok. On commence par là. Traite alliance avec. Et nous dessert. Mais Nahash, l'ammonite, le repentit. Je traiterai avec vous. À la condition que je vous crève. Écoutez, non. Pourquoi nous avons pris en Haïti? Pourquoi nous avons pris en Haïti? Oui. Ma pas pris en oui. Et puis, passé non de l'eau, là, il est sorti, il perdit 10 autres. Et puis, quand il y a riche. Bon, là, ton corps, ça, c'est pour des paix. Là, il y a un chabre, un serpent. Ça t'est passé même dans la nouvelle. Serpent, il doit manger combien? 100 sacs de farine bayou. Serpent tellement vu loup. Serpent tellement manger farine. Maintenant, monsieur va rester comme. Et serpent tellement grand caille là. Monsieur va mettre dehors. Il faut chan mettre dehors. Pour y aller péter chan là, il est trop gros. Et puis il a dit farine. 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 Je dis farine. Qui avait béni? Il est béni, non? Là, il ne pas comprendre. Farine! Ça partit! Farine! Il est très peu près. C'est un femelle qui a voulu demander, puis dit tout. Son petit bouc qui a voulu demander, puis dit tout. Ou même égaré, ou aller acheter bouc la vraie, ou acheter femelle qui a voulu la vraie, ou acheter maman qui a voulu la vraie, ou acheter valet la vraie, ou paille madame. Ça, c'est dans le monde mystique là. C'est comme ça qu'il fonctionne. Parce que quelqu'un qui peut toucher le Lévitique, pas manquer. Nous faisons en forme d'enseignement. Ça nous a même fait comme en forme de causerie pour qu'on en soit propre. Pour comprendre la vie éternelle, alléluia, l'importance de la vie éternelle. Donc, Israël a demandé Satan faire alliance avec elle. Ou même qui là, pas faire alliance à n'importe qui, pas prendre téléphone à n'importe qui, pas parler à n'importe qui. Vous pouvez vous prêcher, vous pouvez vous amener. Qui vous êtes dans la caillou, à fêter Noël, à danser, quand il y a tellement, vous êtes oublié, vous il faut nous mettre un petit CD. Parce qu'il y a les mouns là. Il faut mettre un petit CD. Tout le monde là-dedans, parce qu'on a les mouns rouges. Vous ne pas comprendre. Parce que vous avez expliqué verset à moi. Bon, 10 secondes pour vous. Quelqu'un ne va pas comprendre. Quand est-ce que la Bible créole, moi? Mais Israël a demandé païen pour faire alliance avec elle. Quand ça n'a pas demandé, il dit il faut d'accord pour me péter, je dois. Il y a un ange de droite. C'est ça que Satan veut faire là. Satan veut faire alliance avec elle. Satan veut faire. Mais Satan ne va pas en rien pour rien. Toute alliance, Satan veut avoir. Il veut pour païen, je dois. C'est très important. C'est très important. Amen. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoutez, je traite alliance avec vous à condition que. À condition que. Et pourtant, le Seigneur ne nous exige rien. Il a dit venez à moi, vous devriez chargé et fatigué. Mais Satan dit je traite avec vous, alléluia, à condition que. Creuve à tous l'œil, toi, que je prime ainsi et nos corps sur ton Israël. Gon pas accepter ces bagues, ça qu'on vous propre. Gon mariage, vous acceptez. Gon relation, vos amis, qu'on fait. Gon travail, qu'on prend. Gon chant à vivre. Ou à des poufines, vos amis, c'est un travail, vous voyez. Ou à des quelques-uns là, c'est un ami grâce et mariage.
Parce qu'on fait alliance à Satan. Satan dit, d'accord, il y a qui criminel, oui. On a regardé un film classique. On est arrivé dans toi. Et puis, Galati, ou brave. Il dit, oui, mais brave. Il dit, brave. Oui, brave. Il dit, c'est sans moi, oui. C'est sans moi, oui. Il a fait une c'est sans oui. Il dit, ma bosse, même. Ma bosse. Il dit, prends, allez. Quand il y a l'âme, j'ai arrivé dans un gros caille. Ceci, bagarre marché, mais quand il y a les bagues, il y a la page, il y a besoin de toucher, quand il y a la batoune, quand il y a bruit à fête, quand il y a tremblé, tout bagarre tremblé, quand il y a un cognac, quand il y a un diable, il dit, même, au nom de Jésus, peut-être qu'il est, l'intérêt, il va dire au nom de Jésus, c'est là qu'elle a commencé à bouler. Il y a un monde qui aime à faire moun même. Et puis, il y a fait moun zizi, il bat. Pour apprendre à vivre juste, vivre par la foi, amen. Non par la vue. Vous avez fait le monde, de vous crader, de vous cousiner, de vous cousiner, de vous cousiner, et puis vous dit même changer, mais vous avez bouchou, et vous bouchou péter. Amen. Aujourd'hui, c'est très important de ne pas faire alliance avec Satan. Amen. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle. Les choses anciennes, et voici toutes choses. Ne mets point le monde de les choses qui sont. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père. Jacques dit, amen. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amitié, l'amour de comment, comment l'amour du monde. Éloignement. Une amitié, c'est éloignement. Que mon crap marche à bon Dieu, il y a vivre en étroit éloignement. Yo, loin, bon Dieu. Maison onction, oui. Besoin de fonction. Si je peux demander l'argent, si je peux demander caille, si je peux demander un vieux frère, si je peux demander un vieux soeur, si je peux demander une maman, si je peux demander un papa, bon Dieu, bon, un vieux papa, hein? Il n'y a pas besoin de monde, non, il besoin de monde pour travailler pour lui. Maintenant, là, maintenant, l'entendre d'un vieux frère, il parle ce lien, oui. Il besoin de vieux frère pour marier, pour travailler pour lui. L'alliance que vous faites, ça va jouer sur votre vie. Amen. Et ce matin, Dieu m'a donné ce message comme un avertissement pour vous. Amen. Je vous le donne et je n'avais pas préparé ce message. Demandez à mon épouse, quand j'ai un rendez-vous, je dis, je vais faire la Sainte-Seine et puis je vais partir. Donc le Seigneur m'a prié, m'a dit, non, vous allez parler ce matin de l'importance de la vie éternelle. Vous ne pouvez pas acheter la vie éternelle. Amen. Et si vous perdez la vie éternelle, vous allez en enfer. Amen. Vous allez dire, parce que mais il faut me prêcher. Amen. Richesse. Mais là, la vie éternelle, c'est la meilleure richesse. Amen. Quelle que soit la chose que nous avons encore soif. Amen. Mais l'eau que je donne, le Saint-Esprit, c'est le meilleur. On ne peut pas troquer la vie éternelle. Mes amis, il faut un changement dans la vie de nous. Doute que non. Et comment ça pense? Dis, mais Seigneur, comment m'y avoir? Nous ne pouvons pas poser question ça là. Quand nous qui nous poser question ça là? Seigneur, quand m'y avoir? Seigneur, m'abaisse. Seigneur, où je suis? Où je me suis rendu avec toi? Avez vous posé cette question? Avec un jour. Moi, je vous donne même un dimanche, si vous voulez faire votre paresse, vous pouvez rester un dimanche ou un samedi à la maison. Priez, dis, Seigneur, je veux savoir où je me suis rendu avec toi. Car au son de la trompette, le mort Christ vous jouez à votre vie. Amen. Vous croyez que Dieu, vous ne voyez pas? Dieu voit partout. Amen. Donc, moi, je dis ce matin, il y a quelqu'un ici que le diable veut faire une alliance avec toi. Il faut faire attention. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que vous fassiez une alliance avec le diable. Amen. Il va vous crever les yeux. Et puis, l'œil doit. Est-ce que nous comprenons, chrétien? Est-ce que nous comprenons, chrétien? Est-ce que nous comprenons? Amen. Comment on dit encore? Mais les gens devant l'argent, pas le depuis qu'on est tel que l'argent, oh, nous devons te faire rêve là. Ou pas te faire pète rêve.
Madame Amen. Amen. On va faire peu de rêve. Je veux aller, mais je ne vais pas aller. Je veux partir, en vérité, je veux partir. Au nom de Jésus, il y a des gens qui besoin de convertir. Amen. Pour moi, parce que je veux comprendre. Oh, alléluia. Ou pas qu'à faire alliance à Satan. Regardez, lorsque vous faites dans l'église et vous suivez un crash et un péché, vous faites alliance avec Satan, les gars. Avec qui faites-vous alliance? Avec les drogués? Avec les prostituées? Avec les homosexuels? Avec les voleurs? Pourquoi venez-vous à l'église? Est-ce que vous venez me voir? Non! Je n'ai pas besoin qu'une visite. Le temps est venu de réfléchir, d'entrer en vous-même, afin que Dieu puisse vous montrer où êtes-vous rendu avec Christ. Soit travail ou retourne. Alléluia, qui l'ont commencé? Vous commencez à 8h, à finir à 4h30. Mais depuis 3h, vous regardez dans le moton, presque 3h, pas fin, non? C'est dans le moton, vous regardez. Vous regardez. Jusqu'à ce que, malgré qu'on ait, vos cloches qui vont sonner. Vous regardez. Les arrivés pour regarder, réveiller la vie. Aïe, my God. Seigneur, il est arrivé pour nous garder réveillé la vie. Dis-moi trois côtés dans ça, il est arrivé pour garder réveillé la vie. La soirée, il est arrivé pour garder réveillé la vie. Ouais, maintenant, avec madame là, il est arrivé pour nous garder réveillé la vie. Non, alléluia. Il va courir à gauche à droite. Non, réveillé à gauche à droite. Réveillé miracle. Mais il est arrivé pour garder réveillé la vie, jeune gens. Il est arrivé pour garder réveillé la vie, pasteur. Vous ratez l'enlèvement, vous perdez tout. Amen. Tout. C'est Jésus maintenant. En créole, allez. Un mois comme ça. Après bagaille ça, fin passé. Nakash, mon pays à mon. Montez à attaquer la ville Jabès. Dans le pays Galarak. Le Seigneur la ville là. On nous dit ça, non. Le Seigneur la ville. Regardez, même si Seigneur la ville là nous délivre. Amen. Il y a pas là, non. Parce que, vous bagaille, nous parlons tout à l'heure. Parce que, les messieurs filles de bagaille ça, parce que, ils ont parlé avec Argos. Mais, mon Dieu, quelque temps moins ça y est. Qu'on veut comparer, mais ça a été quelque temps moins, et puis ça a été quelque temps même recevoir le Saint-Esprit. Ça a été notre recevoir la puissance du Saint-Esprit. Il y a un chien qui a où est-ce que vous dites le Saint-Esprit? My God! Où est-ce que vous dites le Saint-Esprit? Vous le dites. Elle va parler français. Amen. Je fais persécution guerre. Où est-ce que vous dites le plier les genoux? Amen. Il y a un chien qui a persécuté. Vous avez besoin. C'est lui qui a l'enfant de Dieu. Amen. Le Seigneur est là. Allons-nous. Monsieur la ville Jabès. Il dit Nakash comme ça. On signe un contrat. N'a pas accepté pour chef. Vous donnez. N'a pas accepté pour chef. Opportunité. Okay. Amen. Mon Dieu, amen. Tout côté manger là. Depuis que manger là. Depuis que boss là. Depuis le chef, il y a là, je amen. Mais maintenant, il y a là, le chef, pas de compte. Mais depuis que vous quittez le domino, il y a un compte. Il y a un esprit pour nous être dehors dans le foyer. Un esprit pour nous être dehors dans l'église. C'est l'esprit Jézabel, comme pasteur Santana, pasteur Gaï, il expliqué le matin. L'esprit Jézabel, il n'est pas sous femme seulement, l'esprit Jézabel, il est sous tout le monde. Il continue tout le monde. Et vous voulez dominer le monde, c'est l'esprit Jézabel qui est sous. Amen. Mais Nakash répondit. M'a signé contrat. Avec nous.
Mais sous une seule condition. Ma pété, j'ai droit. Nous tous. Comme ça m'a fait tout le peuple Israël. Comme ça m'a fait tout le peuple Israël là. Le diable cherche nous à nous faire honte. Il veut crever nos yeux, les doigts. Au nom de Jésus, je dis non. Au nom de Jésus, je refuse cette alliance. Répondez-vous. Au nom de Jésus, je refuse cette alliance. Vous allez prier pour quelqu'un. Vous allez dire, au nom de Jésus, nous refusons cette alliance. Alléluia, alléluia. Priez pour la personne à côté de vous. Au nom de Jésus, nous refusons cette alliance. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous refusons cette alliance. Amen, amen. C'est bon. Au nom de Jésus, nous refusons cette alliance. Amen, amen. Au nom de Jésus, nous refusons. Au nom de Jésus, priez pour ton côté. Au nom de Jésus, nous refusons cette alliance. 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 Chez nous pas de péché, nous pas d'accord. Pour ce nous péché, amen, amen. Soit pas qu'à marier, soit ailleurs ce qui te jette. Et quelquefois, on va pas qu'à aller dans ma demeure.
terminer vraiment. Les saïdes de bagaille ça. L'esprit mon Dieu saisit ça y est. Maintenant dis, m'prête baille, moun sa ou les son. Alléluia. 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 Allons regarder nos versets 6 là. Non, non. Alléluia, gloire à Dieu. Verset 5 et 6, on arrive. On arrive parce qu'il y a un travail qui vous fait. Ou pas qu'à finir l'église comme ça. Entre mari, sorti mari. Entre concombé, sorti concombé. Et puis pendant 18 ans. Allez, il y a quelques forces pour nous briser. Il y a des forces qui doivent être brisées. Il y a des forces. Alléluia. Alléluia. Que ce soit vous ou vos parents qui ont touché à de la magie. Amen. Sa force doit être brisée. Et c'est pas la puissance de Jésus. Et je brise. Alléluia. Toute cette force, les gars. Amen. 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 Il dit que c'est pas mauvais, non? Il est arrivé. Il est arrivé. Mais moi, ma travail. Faut se briser. Faut qu'on s'aille, ma bonne nom. Laisse à s'aille tomber là. Laisse à s'aille tomber. Alléluia, messieurs, vous que tes yeux Israël. Et puis, quand il dit, tant que roi d'Israël, ma bassin de bagage, ça, parce que la vie, et tant que roi d'Israël, et tant que chrétien, et tant que pasteur, ou pas à quitter au chrétien, je suis guéri. Ici, il y a une force qui vous retient captif. Regardez tout ce que je dis là, ça ne règle pas. Parce que le diable vous retient. Le diable vous tient dans les ténèbres. En vérité, il y a 3 ou 4 personnes ici qui ne prennent pas rien. Ils sont encore liés. Et matin, en vérité, ou pas sortir là pour battre. Non, nous ne sortirons pas sans être déviés. Au nom de Jésus. Il n'y a aucune force qui peut vous retenir encore sous vos amènes pression. Amen. Allez, verset 6, en créole. Vous pouvez lire 1 Samuel 11, verset 6. 5 et 6. Allez. En créole d'abord. Saïd t'a rentré sous le jardin. À Bethlio. Il m'a dit sa guerre. Il m'a dit sa guerre. Est-ce que le pasteur a demandé sa guerre? Est-ce qu'il a demandé sa guerre? Est-ce que le fidèle est grave? Même si le fidèle a vu mal, les vôtres, je fais mon bagage, fais mon grâce. Alléluia. Est-ce que. Pour qui ça tout le monde va te marrer. Il semble que pasteur Gary, nous ne pas fait fêter sur vous. Nous pas fait alliance. Nous pas dit toute tête gêne modée. Madame, maintenant. Moi, ici, je pas toute tête gêne modée. Quand je suis moi, je ne pas quitter au pété. Moi, je vais me pouvoir. Ça, il n'y a pas de sa guerre. Pour qui crier ça, nous connaissons ça, nous avons les chants, 13, les 7 à 12, pendant que le peuple a crié, et puis l'Éternel a dit Moïse, avant que le peuple a saqué, suspend crié, et puis dit Alléluia, vous gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous, c'est même pas la chanteau, ça a été saqué, il donne des nouvelles, ça a été en vérité, ça a pas arrêté comme ça. Amen, Alléluia. Alors, allez, Saint Jésus. Yodil, Samoun la ville, Jabès, Yodil. Amen. Tendez, causez. Tendez, causez, là.